Isa en maternelle présente Le loup qui voulait être un artiste de Oriane Lallemand. C'était un beau matin d'été. Les oiseaux chantaient, les feuilles bruissaient doucement dans le vent, les fleurs s'épanouissaient au soleil. Assis près d'une cascade, Loup rêvait. « Que fais-tu donc, Loup ?» demanda Maître Hibou en se posant près de lui. « J'admire le paysage. C'est un enchantement, ne trouvez-vous pas ?» répondit Loup. « Oh oh !» fit Maître Hibou. « Te voici artiste maintenant !» Loup réfléchit un moment. « Lui, un artiste ?» Maintenant que j'y pense, j'ai toujours eu envie de peindre, s'exclama Loup. Je le sens, j'ai du talent. Et il fila chercher une toile, un chevalet et des tubes de peinture. Loup s'installa à l'ombre d'un grand chêne devant la cascade. Il étala les couleurs sur sa palette et se mit au travail, le cœur léger. Loup était si absorbé par sa tâche qu'il n'entendit pas Louve arriver. « Bonjour Loup, que fais-tu donc ?»« Je peins, » répondit Loup. « Les couleurs de la forêt, le chant de la cascade, je suis inspiré. » Louve regarda la toile. Il y avait beaucoup de violet et beaucoup de bleu. « Loup chérie, » fit-elle, « je crois que tu n'es pas le meilleur des peintres. Par contre, tu es le poète de mon cœur. Loup a raison, je suis un poète dans l'âme, s'exclama Loup. Et il fila chercher du papier et un crayon. Une fois bien installé, Loup regarda autour de lui et écrivit. Ce matin d'été est enchanteur, il fait battre mon cœur de bonheur. Il réfléchit encore, mais plus rien ne lui vint à l'esprit. Salut Loup, fit une voix près de lui. Que fais-tu donc? On dirait une statue. Loup sursauta. Mais oui, bien sûr, sculpteur. C'est là que je serai le meilleur. Merci Valentin. Pour sculpter, Loup s'installa avec Demoiselle Yeti dans son jardin. C'est la seule qui avait accepté de poser pour lui. Il se mit au travail, façonnant la terre glaise à pleines pattes. Quand ce fut terminé, il regarda son œuvre avec fierté et dit « Tu peux venir voir, Titi !» Demoiselle Yeti regarda de plus près l'œuvre de Loup et se mit à hurler. « Mais tu n'as aucun talent, je ressemble à un éléphant, espèce de comique, va !» Elle piétina la statue avant de disparaître entre les arbres, furieuse. « Comique? Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» fit Loup. « Faire rigoler, voilà ce qui me plaît !» Avec entrain, Loup monta son petit spectacle. Quand il fut prêt, il installa une estrade dans la forêt. Quelques animaux, intrigués, s'arrêtèrent pour le regarder. « Nul ! Ouh ! Pouah ! » Hélas, pour Loup, ce fut un vrai désastre. Ses blagues ne faisaient rire personne et il dut s'arrêter en plein spectacle. On lui jetait des tomates. Tête basse, Loup rentra chez lui. Il s'installa sur son canapé, ouvrit son journal préféré et lut. Recherche comédien pour jouer le rôle du grand méchant loup. Audition jeudi à 15h. Loup redressa le museau, une petite lumière dans les yeux. Vedette de cinéma, il s'y voyait déjà.
lendemain, Lou se présenta à l'heure dite pour l'audition. Dans la salle d'attente, de nombreux comédiens attendaient. Lou regarda autour de lui et il eut la peur de sa vie. « Ah !» hurla-t-il terrorisé. « Que ces loups ont l'air méchants !» Entendant ce cri extraordinaire, le metteur en scène ouvrit sa porte et examina Lou. « Certes, vous n'avez rien d'effrayant. Mais quelle voix, mon ami, quelle voix! Vous devriez être chanteur, vous feriez fureur. »« Merci, » fit Lou. « C'est vrai que j'ai toujours aimé chanter. » Tout excité, il rentra chez lui et annonça à ses amis. « Je vais devenir rockstar. Qui veut faire partie de mon groupe ?»« Moi !» cria Gros Louis. « Et je prends la batterie. Au saxo, je ferai le show !» fit Alfred. « À la guitare électrique, je serai fantastique !» se réjouit Valentin. « Moi, je peux écrire les chansons !» proposa Joshua. Dans un coin, Louve et Demoiselle Yeti avaient l'air contrariés. « Et nous alors ?» fit Louve. « Vous, trésor !» répondit Lou. « Vous serez nos choristes !»« Mais qui va chanter ?» demanda Demoiselle Yeti. « Moi, évidemment !» dit Lou. « Il paraît que j'ai une voix terrible. Écoutez un peu !» La 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 la. Il commença à chanter. Ses amis en restèrent interloqués. Lou avait vraiment du talent. Rendez-vous ici demain avec vos instruments, fit Lou. Et quand nous serons prêts, nous ferons un concert. Le groupe de rock fut baptisé les Rocking Lou. Il fallut écrire les chansons, composer la musique, monter une scène, s'occuper des éclairages, du son et répéter chaque jour. Quand tout fut prêt pour le concert, des affiches furent collées dans la forêt. Venez nombreux au concert des Rocking Lou. Musique d'enfer, ambiance assurée. Le grand soir arriva enfin. Lou entra sur scène. Il prit une profonde inspiration et commença à chanter. À la fin de la première chanson, il y eut un grand silence. Puis, les applaudissements explosèrent. « Une autre, une autre !» criaient les animaux déchaînés. Rassuré, Lou reprit le micro. C'était parti pour le show. Ce fut un concert du tonnerre. Lou mit le feu à la forêt entière. Le lendemain, les Rocking Lou firent la une de tous les journaux. On les invita à venir chanter sur les scènes de Paris, New York, Rio. À toutes les invitations, Lou répondit « C'est gentil, mais... non merci, être une star c'est super, mais j'ai des tas d'autres choses à faire. » Mon histoire est terminée.